Lacha Chakao. Vous avez entendu? Oui, on a entendu. Bon, j'ai essayé un peu de l'imiter, mais bon, il a vraiment une grande voix, hein, c'est un artiste vraiment prometteur. Et bon, comme je disais, il s'appelle Soriba Koyate. C'est le neveu du disparu grand Soriba. De Soriba Koyate, le joueur de Kora. Ouais. Et donc, il y a ça déjà d'une part. Il est aussi, en plus d'être un excellent chanteur, il est aussi un grand joueur de Kora. Il a appris ça, c'est sa grand-mère qui lui a transmis les rudiments de l'instrument, de la harpe africaine, là, comme on dit. Et on salue sa grand-mère qui est décédée aussi, qui s'appelle Kurtumu Kouyaté. Mais il est également le petit-fils de Mamadou Kouyaté, joueur de Kora préféré du feu président Léopold Sédar Senghor. Et attendez, c'est pas fini, comme c'est une histoire de famille. Il a la pression, quoi. Son père, Moussa Kouyaté, est aussi son producteur. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de Kouyaté. C'est bien. Hein, il devrait normalement avoir les épaules comme ça écrasées. Mais il a aussi pas mal de valeurs aussi. Hein. Il s'attaque à l'afro-jazz, au rythme goumbé. Et il aborde tous les thèmes de son époque. Bon, c'est un jeune, ils ont beaucoup de choses à dire au Sénégal. Actuellement, partout aussi en Afrique, on a beaucoup de choses à dire. Et il n'a qu'un seul album à son actif aujourd'hui qui s'appelle Esperanza, mais c'est aussi un titre. Et je pense qu'on va pouvoir l'écouter, Esperanza. C'est le titre qui l'a rendu célèbre. C'est une balade. Exactement.